On est le 26 août et il est 10h40 pour ma tête. Et c'est samedi, c'est ma journée de congé. Comme vous avez vu hier, j'ai mis mon vlog du camping en ligne parce que j'étais en retard dans mes affaires. Mercredi, c'est ça, je suis allée au camping Paradis avec Isabelle. Fait que j'ai vu Marie-Flore. J'ai dû prendre une décision assez déchirante, merci, c'est-à-dire soit de la ramener avec moi et de manquer presque toute la semaine de travail, ou de la laisser s'amuser avec des amis, puis avoir du plaisir, puis de la retrouver demain. Parce que demain, ils reviennent. Demain, c'est dimanche, puis ils reviennent du camping dans l'après-midi. Il faut qu'ils quittent vers 2h, fait qu'ils devraient être de retour vers 4h à peu près. 4-5h. Quelque chose comme ça, là. Fait que j'ai comme eu le choix déchirant à faire, puis c'est ça. Fait que Marie-Flore revient demain. J'ai assez hâte, là. C'est fou, là, comment j'ai hâte de l'avoir. Je suis contente de l'avoir vue cette semaine, honnêtement, parce que ça a été difficile de pas... tu sais, d'habitude, à part chez mes parents, comme, mettons, le mercredi soir, puis elle revient dimanche ou le samedi, ou des fois le lundi, mais tu sais, c'est comme 4 jours, 3-4 jours. Mais là, c'est vraiment une semaine et quelques jours. C'est long. C'est vraiment long, là. Puis, on est le 26. Hey, j'en viens pas déjà le 26. C'est bientôt ma fête. Je vais avoir 36 ans. Mais bon. Que voulez-vous, hein? Aussi, c'est bientôt la fin du concours. Ceux et celles qui n'ont pas participé, participez, là, c'est le temps. Je vais peut-être le republier encore une autre fois, ou je vais peut-être mettre une bande-annonce pour dire que c'est encore le concours, parce qu'il se finit le... En fait, il se finit le 30 à août, parce que le 29 à minuit, il est terminé. Alors, je vais faire le tirage le 30 à août. C'est ça. Aussi, ben, on tombe en vacances bientôt. Au début, j'avais pas hâte parce que, pour être bien franche avec vous autres, là, j'ai recommencé à travailler en janvier. Ça va faire un an en janvier. Puis financièrement, ben, tu sais, c'est pas le grosse affaire. Mais. Fait que j'ai recommencé en janvier. Fait que évidemment, ben là, prendre une semaine de congé, c'était quand même assez délicat dans mon cas. Fait qu'au début, je voulais juste prendre quelques jours puis continuer à travailler quand même. Puis finalement, ben j'ai décidé que je prenais moi aussi une semaine avec ma famille, c'est-à-dire avec mon mari, avec Marie-Flore, avec. Ma famille, puis vous aussi, parce que je vais vlogger toute la semaine. Je me suis comme mandat de vlogger. Je sais pas si ça va être full long, par exemple, là, mais en tout cas. Je sais qu'on est censé aller au camping, nous aussi. En fait, pas dans le même coin où campaient mes parents, mais on est censé aller à Sainte-Véronique. Mon beau-frère nous a offert de nous prêter sa roulotte, parce que lui, la semaine, il est pas là, là. Il va être là, je pense, juste vendredi, samedi, dimanche. Puis il recommence à travailler, lui, je pense, le 4. Ou il est en congé jusqu'au 4. En tout cas, je sais pas trop. Fait qu'on va sûrement aller faire du camping avec Marie à Sainte-Véronique. Chin. Fait que je vais vous emmener avec nous pendant nos vacances. Je sais pas d'autre qu'est-ce qu'on va faire. En tout cas, c'est sûr, on va profiter d'être le fait avec Marie-Flore ensemble. Parce que notre horaire fait en sorte qu'on n'est jamais en même temps en congé. En fait, la seule journée de congé qu'on a en famille, si on peut dire ça de même, c'est le dimanche. Fait que c'est ça. Fait que, voilà.
Fait que je vais vous emmener avec nous, puis en fin de semaine aussi. Puis je me suis trouvée. J'ai aimé ça finalement de filmer au camping, même s'il y avait des gens, même si les gens s'en foutaient là, finalement que je parlais à une caméra, là, by the way, là. C'était drôle parce que Isabelle me taquinait parce qu'à un moment donné, quand je fais mon intro, quand on arrive sur le camping, il y a un monsieur qui est là, assis dans sa chaise, puis il me regarde, là, tu sais. Puis là, Isabelle a dit qu'il y avait un monsieur, il y avait un monsieur. Puis là, je fais comme, ben oui, il y avait un monsieur, toi. Puis finalement, ben, c'est pas si pire que ça, finalement. C'est ça. Fait que je vais vous emmener plus avec moi maintenant. Ah, peut-être des endroits où je filmerai pas parce que je sais que j'aimerais ça aller voir mon amie Pierrette au retour des vacances de mon père. Mercredi, peut-être on va aller chez le Kiro. Je vais y en parler avec lui quand il va revenir dimanche. Fait que je veux aller voir mon amie Pierrette, mais elle est à l'hôpital. Fait que c'est sûr, certain que je vous filmerai pas à l'hôpital. Peut-être en sortant, mais pas à l'hôpital, par respect. C'est sûr que je pense pas de filmer non plus quand je vais me faire placer, mais vous avez vu un peu. Je l'ai pas mis encore en ligne, ce vlog-là, mais. Ou je l'ai peut-être mis, je m'en rappelle pas. Faudrait que je regarde. Je pense que je l'ai mis. Un petit bout de la salle, là, quand je me fais placer. Il me semble que je l'ai mis. En tout cas, je m'en rappelle pas vraiment. Vous me le direz en barre de commentaires. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Fait que là, j'ai parti me brasser de lavage. Je m'en vais faire un peu de vaisselle. J'ai pas grand-chose à faire, mais je veux la faire tout de suite. Puis je veux attaquer mes planchers. Puis je m'en vais profiter dehors parce qu'il fait beau aujourd'hui. Puis je veux profiter du soleil pour me faire bronzer un petit peu, même si c'est un peu frais, là. Mais je vais être bien quand même. Fait que je m'attaque là-dessus. Et nous, on se reparle plus tard. À plus tard, tout le monde. Hello! Alors, il est rendu midi et 5 et j'ai déjeuné. J'ai mangé du pain, un bagel au raisin et fromage. Je me suis habillée puis j'avais le goût de vous montrer mon look de la journée. Je l'ai mis sur un. Je l'ai mis, oui, sur Instagram, mais je l'ai mis aussi sur Facebook. Et je l'ai mis aussi sur un site où il y a des personnes d'une certaine taille, pas dire ronde, aussi. Fait que je vous montre ça. Et là, je me suis fait juste un petit toc sur la tête et j'ai attaché les petits cheveux ici, là. Fait que je vous montre ça. Alors, je porte un petit cardigan, pas de manches, avec le dos ouvert, là, mais là, vous ne le voyez pas. Blanc, que j'avais acheté au Tic Géant. Et j'ai une petite robe courte avec une boucle que mon amie Pierrette m'avait offert quand on s'est rencontrés. Et ça va faire 10 ans. Fait que, et je rentre encore, comme vous voyez, dedans. Quand même, hein? Et je vous avoue que je me trouve vraiment belle aujourd'hui. Et je ne me suis pas maquillée. Ça me tente pas de me maquiller aujourd'hui, vraiment pas. Fait que là, je parle un petit 2 minutes avec ma soeur. J'ai pas fini mon café. Puis, il fait frais un peu dans la maison, ça fait du bien. Parce que j'ai ouvert les fenêtres, j'ai ouvert la porte et tout le kit. Fait que là, je m'en vais faire les planchers. Ouais. Mais là, j'ai juste un petit problème. C'est que j'ai un ami qui est là. Ici, là. Ah, Spot! Spot! Hello! Hello! Fait que faut falloir que j'enlève mon matelas gonflé. Et d'ailleurs, j'ai un petit problème de matelas. Il est vraiment. Et Spot, il a comme mis ses griffes à un moment donné. Et il a percé à quelque part, je sais pas où. Fait que faut que je check ça bientôt. Parce que je le gonfle comme tous les soirs. Fait que faut que j'enlève Spot pour faire les planchers. Oh, désolé. Je vais. Oh, excusez-moi, pardon. Dédoumé, ce serait plus fun.
Fait que, c'est ça. Fait que, aujourd'hui, c'est ce que je porte et nous, on se reparle Elle est tantôt. Alors, il est rendu 1h20 de l'après-midi. Et j'ai lavé pratiquement tous mes planchers. J'ai fait ça en une trentaine de minutes. Bref, la cuisine à faire parce que pendant que mes planchers séchaient dans la chambre, dans le passage, dans le salon et tout ça, j'ai décidé de me garder la cuisine pour faire la vaisselle. Alors j'ai fait la vaisselle, j'ai poussé presque tout le salon. Bref, juste les DVD à faire. Et j'ai lavé le miroir un petit peu. Fait que c'est ça. Et là, j'ai replacé tout le salon, les jouets à Marie, tout ça. Fait que voilà. Et j'ai parlé avec ma maman. Et aujourd'hui, c'est l'Halloween au camping. Je comprends pas l'affaire. Si vous savez, dites-le moi. Là. Comment ça se fait que Noël des campeurs est avant l'Halloween? Pas censé être le contraire, ça, dans la vraie vie? En tout cas. Fait que mon père s'est trompé. Il a acheté 50 pièces de bonbons, mais pas enveloppées. Alors, ma maman va essayer de les envelopper. Elle a demandé conseil à ma tante. Et elle va essayer de les envelopper individuellement dans du papier ciré, en espérant que ça fonctionne. Fait qu'elle va montrer aux personnes qui sont vraiment nœuds, là. C'est que mon père, il n'en a pas trouvé d'autres. Évidemment, je présume que tout le monde a sauté ses bonbons enveloppés. Vous comprendrez. Fait que c'est ça. Et là, je m'en vais laver la cuisine, le plancher de la cuisine. Puis après ça, je téléphone à ma soeur parce que j'ai dit que je l'appellerais vers 1h30. Fait que c'est ça. J'ai plié une brassée de lavage. J'en ai une dans la sécheuse, une dans la laveuse qui finit, mais le linge n'était pas tout à fait sec. Fait que voilà. Et vraiment, mes fenêtres sont dégueulasses. Mais celle du salon a bien beau, j'ai bien beau la laver de l'intérieur. Il me reste l'extérieur, oui, je le sais. Mais depuis qu'on a eu un plomb dans la vitre, c'est des vitres thermoses. Depuis qu'on a eu un plomb dans la vitre, c'est vraiment dégueu, là. Je vais vous montrer, là. Premièrement, je vais vous montrer où le plomb a lieu, là. Alors, c'est ici. Vous ne voyez pas vraiment parce qu'il y a du soleil. Là. Mais je ne sais pas si vous voyez, là, ça fait de la condensation. C'est vraiment hot. Et aujourd'hui, il y a full d'abeilles. Je ne sais pas pourquoi, là, mais il y a full d'abeilles. Fait que c'est ça. Fait que depuis qu'on a eu un plomb, vraiment, là, c'est comme ça. Fait que j'ai pas dîné encore parce que j'ai vraiment pas faim. Hier, j'ai fait des coquilles farcies. C'était vraiment bon. Mais je me suis dit, je vais peut-être dîner ça. Mais finalement, j'ai vraiment pas faim. J'ai vraiment mangé mon bagel, fromage, tout ça. Fait que j'ai pas vraiment faim. Fait que voilà. Mais il faudrait que je mange quelque chose quand même. Fait que je m'en vais laver ça. Et nous, on se reparle plus tard. À plus tard. Hello, hello! Alors, il est rendu 2h30 et je viens de tourner mes produits terminés! Wouhou! Enfin, il était temps. Parce que je voulais pas de l'accumuler trop puis que la vidéo dure quand même plus de 40 minutes, mais elle va quand même durer 20 minutes pareil. Mais bon, c'est la vie. Fait que c'est ça. Donc là, je vais aller reporter mon sac. Comme ça. J'ai un gros, gros sac, là. Je mets mes produits dedans. Fait que là, je vais aller le porter. Fait que ça va faire du bien un peu. Fait que là, je m'en vais partir une autre brassée de lavage. Et je m'en vais sortir le linge de la sécheuse. Je vais peut-être filmer une autre vidéo aussi. Peut-être une vidéo achat. Sauf que les vêtements, je vous dis tout de suite, je les mettrai pas sur moi parce que ça me tente pas. C'est ça. Et je voulais vous montrer aussi, je vais vous déposer. Comme ça. J'ai redécouvert dans mon maquillage un rouge à lèvres que j'aime vraiment beaucoup.
Mais on retrouve plus cette marque-là. C'est de Maybelline, c'est le Color Whisper. Je sais qu'on les retrouve sur Amazon, mais puis un peu sur leur site. Mais si vous mettez la main soit sur Amazon ou un rouge à lèvres similaire à ça, prenez-le vraiment si vous le retrouvez là. C'est le numéro 15. Il s'appelle Tube. C'est vraiment juste un rouge à lèvres comme ça là. Je vais vous mettre sur la main là, qui est comme en fait qui est comme rose translucide. J'adore ce rouge à lèvres là et je l'ai redécouvert dans ma collection. Et moi j'en mets aussi des fois comme highlight, comme par-dessus pour mettons je me mets un petit peu de ça sur les paupières, sur les yeux. Je me mets un petit peu de ça par-dessus. Vraiment, moi, à me dire, pour être bien franche avec vous autres, moi, souvent les produits comme ça, soit les rouges à lèvres ou les illuminateurs comme ça, servent pas juste à ce qui doit servir, là. Vraiment, ça me sert comme highlight, comme n'importe quoi, là. Tu sais, si j'aime. Voilà. Que je veux juste vous dire, là, parce que. Il me sert à plein de choses, puis je l'aime. Puis je savais pas, là, mais j'en ai acheté deux pareils. Ça, c'est moi tout craché, là, honnêtement. Fait que là, dehors, il fait quand même pas pire. Et ma fleur, je vais vous montrer, là. Elle a eu une petite voiture, deux chaises et un petit jeu, là. Et la petite voiture, elle aime vraiment beaucoup la chaise. Ben, les petites chaises, elle les a pas vues encore. Puis le petit jeu non plus. Mais la voiture, ça, elle a joué énormément avec. Fait qu'il fait quand même pas pire beau. Ok, c'est ça. Fait que là, je m'en vais acheter mes trucs. Je vais partir mon autre brassée de lavage. Puis, c'est ça. Fait que voilà. Puis, c'est ça. Il est 2h30. Je vais peut-être tourner une autre vidéo sur mes achats. Pour qu'il y ait au moins cette semaine deux vidéos plus des vlogs. Fait que je vais ressortir mon kit de tous les achats que j'ai fait là, dernièrement. Fait que je vais peut-être filmer ça ou je vais peut-être regarder aussi une suggestion que vous m'avez faite derrière le vidéo concours. Fait qu'on se reparle tantôt. À tantôt tout le monde. Hello! Alors, il est rendu 3h03 et j'ai décidé de me faire à manger. Fait que là, vous êtes dans mon armoire parce que vous m'avez demandé des petites recettes des fois, puis j'avais le goût de vous partager mon family cheese. Fait que, évidemment, je fais avec mon pain Weight Watcher. Celui que moi j'aime bien, c'est celui multigrain et c'est des tranches minces. Et je fais avec ça. J'utilise aussi deux sortes de fromage. Un qu'on a. Que je voulais avoir qu'on retrouve chez Costco ou en grande surface. C'est du fromage suisse comme celui-ci. Celui-là, c'est de la marque. Je sais pas trop. On l'a trouvé au Costco, honnêtement, il est en spécial. Évidemment, je mets des tranches de jambon de la marque Cochrane. Je mets un autre fromage. Celui-là, c'est vraiment du fromage de style Kraft, mais de la marque No Name. Et évidemment, de la margarine et de la moutarde. Fait que j'assemble ça et je vous montre ça après. Boom! Alors, mon sandwich, il est en train de griller. Fait que je vais vous montrer ça. Alors, ça ressemble à ça. Donc là, il est cuit. Et j'ai décidé de me faire une petite salade avec ça. Avec une tomate du jardin de mon papa, un restant de cocon que j'avais. Voilà. Dans mon bol. Chez Costco. Fait que je coupe tout ça puis je vous montre ça après. Alors voici ce que ça donne. Alors dans ma salade, il y a des tomates, cocombes, fromage feta, huile d'olive et épices grecques. Et mon sandwich ressemble à ça. Je vais aller manger ça. À tantôt. Alors, il est rendu 4h30. Et je suis en train de finir de plier du linge. Je sais pas si je suis la seule que ça arrive ça, mais je pars toujours des bas. Ouais. Fait que là, j'ai une montagne de bas.
Oui, ma brassière. Mais j'ai une montagne de bof, faut que je trouve l'ami. Et si je le trouve pas, ben il va aller dans les vidanges parce que je t'aime. Et j'ai écouté une vidéo d'une youtubeuse que je suis. Puis elle parlait des cotons démaquillants. Mais moi, je vais prendre ça. Parce que c'est la même chose, sauf que c'est des pads d'allaitement. Ils sont propres, là. Je vais juste vous le dire, là. Mais c'est la même chose, sauf beaucoup plus gros, là. Fait que je vais essayer ça de me démaquiller avec ça. Oui, il me reste encore un fond de coton comme ça. Et un que j'avais acheté. Mais je veux essayer d'être un petit peu plus écologique. Puis comme j'avais beaucoup de pads d'allaitement, ben ça va être rentable. Puis j'en ai gardé au cas si j'en aurais besoin un jour pour comme pad d'allaitement finalement. Fait que je m'en vais attaquer mes bas. Et on se reparle plus tard. À plus tard tout le monde. Hello, hello! Il est rendu 9 h, fait que je vous montre nos achats. Que là, j'en compte. Ça, c'est la facture. Non, je dis, je vais montrer mes achats. Oh boy. On a acheté de la macarine. Parce que ça, c'est juste un petit achat. On a adapté un chien aussi. On a adapté un chien aussi pour la soirée. J'ai acheté de la sauce feta grecque, comme ça, pour mettre dans ma salade, parce que j'en avais plus. Non, c'est vrai, j'en avais plus, par exemple. Irine-moi, c'est pas drôle, non? Non, de chance. On a trois bouteilles de ça, une courge spaghetti, parce qu'on avait vraiment aimé ça la dernière fois. Deux chou-fleur. Mais là, malheureusement, il est comme enveloppé. Puis du maïs. Tant ça. Ça, ils vont évoluer dans le stock. Non, je pense pas. Il y en a un Snoopy. Ok. Est-ce qu'on a acheté d'autres? Hello. Celle-là, il est un petit peu plus lourd, finalement. Fait que c'est ça. On est allé chercher Snoopy pour la soirée. Mes parents, légalement, ils reviennent demain. Fait que c'est ça. Fait qu'on a super hâte de les revoir. Parce que honnêtement, je suis un petit peu tannée d'aller à Saint-Félix. Mais bon. On va acheter des bananes. Oui, je sais. Mais bon. Parce qu'il faut du temps. Fait que c'est pas pire faire un tout été en spéciaux. Du raisin. Beaucoup pour Marie-Flore parce qu'elle aime vraiment ça. Du bacon. Parce que ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas mangé puis j'avais plus mangé ça. Okay. Puis ça, c'est des cannes de tomates. Il y en a deux sortes, en dés et puis en broyé. Comme ça. Alors ça c'était, je ne sais même pas si c'est quoi qu'on a pris, origan et épices au poivre. Faites avec l'huile de canola et épices. Je présume que ça va être pour ce soir. Parce que, non? Non? On a du macaroni. Ah oui, je vais mettre en affaire, ouais. Ah oui. Mon mec s'est acheté deux pains. Mais oui, tu t'as acheté deux pains. Et un gâteau aux bananes, comme ça. Qui était en spécial. Le champ spécial, une pièce, c'est que. Et une tarte aux pommes qui était ici en spécial. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Je pense que c'est à peu près ça. Ah oui, c'est vrai.
On a acheté évidemment du Tide en poudre pour les couches à Marie. Puis évidemment des pommes de terre parce que on en avait plus. Puis chez mon papa, ben je me suis pris des cocombes puis des tomates. Puis un poivron, je pense. Je vais faire du ketchup, je crois, avec ça. Fait que c'était nos commissions. Fait que voilà. Fait que demain je m'en vais à mon meeting. Ouais, ça va faire drôle parce que ça fait deux semaines que mon père ne vient pas. Fait que je pense que les gens vont commencer à se demander il est où. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que là, je sers tout ça. Puis, moi, je vous souhaite une belle fin de soirée. On se retrouve demain pour un autre vlog. Puis, ça, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Puis, si vous avez des suggestions de vidéos, vous pouvez le mettre en barre de commentaires. Parce que, n'oubliez pas qu'à chaque deux fois dans le mois, je pige une de vos suggestions. Et il y a le concours qui se termine le 29. À minuit. Fait que le tirage va avoir lieu le 30. Fait que c'est ça. Il reste encore un petit peu de temps pour participer. Pour ceux qui n'ont pas participé encore, je veux juste dire qu'à date, il y a, je pense, deux personnes que j'ai dû enlever parce qu'ils sont désabonnés. Fait que je ne veux pas faire gagner quelqu'un qui est désabonné à ma chaîne. Fait que voilà. Fait que nous, on se redit à très bientôt. Bye bye tout le monde.